Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur White Day, je sais plus où on était. En tout cas, il nous reste le fantôme de la salle de lecture à voir, qui est au dernier étage. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans le coin. Mais le truc, c'est qu'on a maintenant toutes les cartes. On va pouvoir voir ainsi labo des sciences de la Terre. On va aller voir ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Bidip. En plus, le janitor est pas trop là pour l'instant, on va en profiter. Pum. Alors, on regarde aussi s'il n'y a pas des feutres. Si on aurait des feutres d'avance, ce serait un petit peu cool aussi. Mais Jean, mais il était pas là il y a 2 secondes! Mais what? Mais il vient d'où? Non, mais faut m'expliquer! Mais non, y a rien. Merde. Pourquoi ce bureau est blanc? On va faire la technique du bureau maintenant. D'ailleurs, ouais, quand j'y pense, en fait, alors j'ai regardé un petit peu sur internet tous les objets que je ramasse et que je ne sais pas à quoi ils servent, comme les épingles, les trucs pour voir la pour faire le test de l'ophtalmo, etc. Et quand on y repense, dans le tout premier bâtiment, il y a aussi des portraits que je pouvais changer de place et tout. Tout ça, ça sert à rien. En fait, c'est juste pour avoir des histoires de fantômes en plus. Le problème, c'est que, voilà, c'est pas... Il est venu ici au moins ou... Non, mais le mec s'est juste téléporté, quoi, hein. Et bah, ça y est, il est là maintenant. Super. Puis il va venir forcément fermer cette porte en courant. Hein ? Attention, in before. Et ouais, il y a aussi ce fantôme du 3-3, là, à vérifier. Faut que j'aille en 3-3. Suivi du 3-6. Et suivi du 3-9. Mais je suis pas sûr que ce soit comme ça. Il est pas là? Je comprends rien, je... Le type se téléporte, n'importe quoi. On va déjà aller dans les deux salles au bout, là-bas. Donc on va en face. Voilà, c'est exactement ce bruit qui me fait flipper. Quoi ce bruit? Oh mon dieu! Oh mon dieu, regardez! Regardez, qu'est-ce qui nous attend là? Bonjour, on va prendre des dégâts dans 3, 2, 1. Voilà, et je dois faire ça dans une certaine suite. Je meurs, blablabla. Bon, ça fait quoi? On va allumer, hein. On est des gros fous. Ouais, va falloir allumer les salles dans un certain ordre. Alors attendez, après la 3-3, je vais aller dans la... Dans la 3-6, selon mes notes extrêmement poussées. On va vite en profiter que le janitor ne soit pas là. 3-6 qui est là. Non, bon, il n'y a rien du tout. Et enfin la 3-9. Vous voyez, elle est là, tiens. Salut. Oh là 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 là, nous avons eu un fantôme, bonus! Super. Allô? Merci. C'est tout? Moi, j'ai pas perdu de vie, écoutez. Je peux m'en plaindre. Du coup... Ah, bah on va faire tout de suite la... La Library Girl. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh! J'ai peur. Merci. Alors celui-là, je ne l'étais même pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Oh là, ce killing spree de monstre bonus là. Je m'impressionne moi-même. On laisse. Oh punaise! Alors elle, j'ai failli l'oublier. Donc on va encore avoir un bonus fantôme. Un fantôme bonus, c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Non, on lit ce bouquin. Elle est là-bas, regardez! Tu peux... Non, elle a disparu, mince. Il faut que je continue de lire ou ça se passe comment? Ça va, elle fait pas très fantôme.
Ouais, si, en fait, elle est bizarre. Non, en fait, ça va plus du tout. Ouch, merci pour les dégâts, c'est complètement gratuit. Est-ce que j'ai un quelconque... Non, j'ai plus de soins du tout, en fait. C'est super. Puis avec un peu de chance, le géniteur va apparaître, genre, là, tout de suite. Bon, super, on est à jour, niveau tout ce qu'il faut. Ah oui, alors maintenant, il faudrait réussir... Maintenant, en fait, il faut lire les notes. C'est la partie la moins drôle. Pour faire tomber les clés, voilà. On soupçonne les phares dans la main. Et donc, il y a la note, là, voilà, qui dit que si on allume certaines salles, tout explose. Voilà, si l'interrupteur du local électrique est allumé, et que les lampes de certaines classes sont allumées, les lustres risquent d'exploser. C'est ça. Il faut les allumer dans 1, 5, 8, 10, 12. Vous avez rapporté que les lumières s'éteignent automatiquement si les lampes sont éteintes dans la salle présente, quoi. 1, 5, 8, 10, 12. Super. Et en plus, c'est dans l'ordre, hein. Il y a le local électrique. Avec la keycard bleue, on va pouvoir rentrer dedans, je pense, et tout faire péter. On n'a pas été à la 2. Je suis à quel étage? La 3. Ah, mais tiens, je suis pas allé juste à droite, là. Je suis pas allé juste au bout aussi. Ah si, j'ai déjà été là, en fait, techniquement. Vous voyez où il est ou pas? Ah bah oui, il est là-bas. Il va monter, c'est parfait. Ah mais attendez, il y a le truc tout en haut là. Est-ce qu'il faudrait pas que je le mette sur une position particulière? Ah oui, et puis il y a genre l'énigme des horloges aussi. Il faudrait que je fasse plus ou moins en même temps. Ouais, parce qu'il y a ça, du coup, est-ce qu'il faudrait pas... C'est quoi ça? C'est quoi l'intérêt? Ça sert à rien. Mettre sur lumière du coup, vu que... Ou électricité, pour que ça marche en bas. Enfin, le mec, évidemment, il décolle pas du premier étage. Évidemment, voilà l'autre fantôme de mes deux. Toujours le même qui fait son intéressant. Attention, Screamer, dans quelques instants. Attention, 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 fermez les yeux, voilà, merci. Oui, mais là, je pouvais pas m'arrêter ni rien. La salle est juste là. Heureusement qu'on perd pas de vie avec ce fantôme, là. Voilà. Je crois que c'est la dernière salle qu'on n'a pas ouverte de tout le jeu. Bon, ça ne l'a pas trigger. Ça ne l'a pas trigger non plus. Voilà, donc ici, je pense qu'il y a des trucs à faire. Bon, je sais pas, c'est ça. Et maintenant, allumer les salles... 1, 8, 10, 12, là, dans l'ordre. Ça va être trop marrant, quoi. Ça va être trop le fun, comme truc. Peut-être le top, ce serait qu'on se cache dans la boutique de l'école le temps qu'il se barre et qu'on fasse ça tranquillement, quoi. Ce qui peut prendre... En fait, il faudrait une touche pour accélérer le jeu. Quand vous attendez sur place, vous êtes en x3. Et voilà. Et si, du premier coup, ça ne marche pas, je vais péter un câble. Mais vraiment, hein. 1, 5, 8, 10, 12. Donc voilà, on va faire mon plan. En fait, j'espère secrètement qu'il va... Non, il a fait demi-tour. En fait, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Tout, c'est que je crois qu'il est déjà descendu en bas, là, non? Oh, merde. Oh putain, il est juste là, en fait. Le mec voit une porte qui s'ouvre devant lui. Oh bah non. Là je suis dans la première pièce qu'il faut allumer. C'est fantastique. 1, 5, 8, 10, 12. Le mec est reparti à droite. J'ai pété un câble. En gros le trajet du janitor c'est... Ça. Ça. Et il voit que j'ai ouvert la porte et il revient par là. Super.
Bon, on va commencer parce que ça me saoule, hein. Tant pis. Mais attendez, ça fait genre quand même un quart d'heure que j'attends que le type soit au bon endroit. Comment pas, c'est pas grave. La 5, c'est qui est juste à côté. Là, il peut que monter, hein. Ah bah non, merde, je suis con. Attendez, j'en ai pas raté. Pourquoi la musique, elle augmente d'un coup, là. 1, 5, 8, 10, 12, hein. Spotted. 1, 5, 8. La 10. Je rigole comme lui, quoi. C'est affreux, là. J'ai allumé la 12. Et il ne se passe rien. Cool, hein. Mais s'il faudrait pas... Oh mince, c'est juste là. Aller au dernier étage et mettre sur l'électricité ou je sais pas quoi. Ouh putain, j'ai cru que je vais la planter, tout va bien. J'ai parfaitement allumé les salles telles que ordonnées. Super. Mais quoi? Mais faut expliquer d'où il vient, quoi. C'est quoi le truc à gauche? Putain, je comprends rien, ça me saoule. Je sais même pas si le truc en haut il doit être sur un état particulier ou pas, ou si c'est juste ici. J'ai aucune note qui me dit, qui me parle de ça. Non mais, j'ai la confirmation que le janitor quand même nous entend charger une partie, c'est sûr à 100% maintenant. La partie se charge, il est un étage au-dessus, je ne bouge pas. Il vient, il court.
Mais, bah oui. Appuyer sur un interrupteur, c'est trop difficile. Et puis il court à la même vitesse que moi, ce qui ne rend pas la tâche très facile. J'ai encore allumé un, putain, ça... Mais what? Voilà, si l'interrupteur du local électrique est allumé et que les lampes de certaines classes sont allumées, les lustres risquent d'exploser.